très heureuse de vous retrouver pour un point lecture autour de l'art sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, on va parler peinture, poésie ou encore musique. J'espère que ce thème va vous plaire et si c'est le cas, je ferai peut-être une partie 2. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes partant. Et on commence par Deux remords de Claude Monet de Michel Bernard. C'était une excellente lecture que j'ai faite très récemment. Alors c'est une biographie romancée du célèbre peintre impressionniste Claude Monet. Et le roman est divisé en 3 parties et chaque chapitre a pour titre un prénom. Donc il y a d'abord Frédéric, Camille et ensuite Claude. Alors l'auteur va nous dépeindre sa vie et plus particulièrement 2 faits marquants qui auront une grande influence sur son œuvre. Alors on commence par la première partie qui va parler de Frédéric Bazille, qui était un grand ami du peintre et qui est mort au front. Donc il s'engage lors de la guerre franco-prussienne en 1870 et il va décéder lors de cette guerre. Donc le livre commence sur un père qui cherche son fils et donc c'est un chapitre très pesant, très lourd, qui parle de la guerre et de l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Et donc c'est le premier regret de Claude Monet puisqu'il n'a pas réussi à dissuader son ami de s'engager dans l'armée. Ensuite, le deuxième chapitre ou la deuxième partie porte le nom de Camille, donc c'est Camille Doncieux qui était la deuxième épouse du peintre, la première épouse pardon, du peintre, et qui va devenir également sa muse. Donc on peut la voir dans certains de ses tableaux, notamment dans La femme à la robe verte, que vous connaissez peut-être, et qui va mourir très jeune d'un cancer à seulement 32 ans. Donc c'est une femme par contre qui lui aura apporté beaucoup de calme, beaucoup de douceur et qui aura vraiment permis à Claude Monet d'avoir un espace propice à la création. Donc à la fois elle aura été sa muse mais en même temps elle aura eu un impact très positif sur toute son œuvre. Donc là encore le deuxième remords, il s'agit de la mort très prématurée de sa première épouse. La troisième partie porte le prénom du peintre, Claude, et ça va être centré sur la fin de sa vie et sur son œuvre. Ça va notamment parler des nymphéas que vous avez vues précédemment dans ma petite vidéo, qui se trouve au musée de l'Orangerie à Paris. Et Monet en avait fait don à l'État, mais il a émis une condition à ça, c'est que son tableau « Femme au jardin », qu'il avait peint et qu'il avait offert à son ami Frédéric Bazille, soit racheté et exposé au Louvre. Ce qui a été bien sûr fait. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé très intéressant et j'ai adoré la plume de l'auteur qui est élégante, délicate et très poétique. C'est vraiment l'atout majeur de ce livre, c'était un plaisir de lecture, un roman délicieux que je vous recommande vraiment chaudement, que vous soyez amateur de peinture ou non, je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre. Poursuit avec un peu de poésie et 3 petits livres très originaux. Ce sont des plis, des livres à envoyer par la poste et j'ai trouvé ça très ludique. Alors là, on en a 3. Il y a Fernando Pessoa qui est un auteur portugais, Arthur Rimbaud qu'on ne présente plus et Emily Dickinson qui est une poétesse américaine mais originaire de Caen, donc je viens de l'apprendre à travers ce petit bouquin puisque Dickinson signifie « fils de Caen », donc voilà. Et donc ces petits livres reprennent la correspondance de ces poètes et ils donnent aussi des extraits de poésie.
Donc ça va être assez difficile à vous résumer, mais en tout cas ça donne un aperçu de leur personnalité. Et on entre de façon très intimiste dans la vie de ces auteurs, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le côté lettre et donc partage, puisque après avoir lu l'un de ces bouquins, vous pouvez éventuellement l'envoyer à quelqu'un en enlevant la jaquette et en la repliant sur le livre. Donc vous allez créer une sorte d'enveloppe et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ils ont tout un tas d'autres plis aux éditions Lorma comme Stendhal, Voltaire, Jane Austen, Virginia Woolf ou encore Mary Shelley. Donc voilà, j'ai bien aimé le concept et j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, ça fait une enveloppe, il n'y a plus qu'à mettre un timbre, le nom du destinataire et c'est parti, on peut le mettre à la poste. Voilà, vous pouvez l'offrir à quelqu'un, je trouve ça super sympa. Un peu de piano avec Le Retour de Majorque, qui est un faux journal de Frédéric Chopin, écrit par Jean-Yves Clément. Donc on y retrouve un Chopin un peu fébrile, qui est en pleine création. On est en 1839, il écrit ses préludes. Il est aux côtés de George Sand, qui est sa compagne et qui le soutient énormément. Donc elle a un rôle quasi maternel avec lui, et il en a grandement besoin, parce que c'est un homme introverti, angoissé, qui a beaucoup de mal à se concentrer, on le sent très affaibli par la maladie. Donc on sait qu'il a souffert d'une tuberculose pulmonaire et certains avancent aussi l'hypothèse d'une mucoviscidose, donc on ne sait pas exactement. En tout cas, l'auteur le dépeint comme un être très sensible, peu sûr de lui, et qui n'est absolument pas conscient de son talent. C'est ça que j'ai trouvé fou, parce qu'on a l'impression qu'il doute de lui en permanence, alors que c'est un génie. Il est en admiration devant Liszt, qui est son collègue et concurrent de l'époque, mais l'entente est plutôt cordiale. Et il souffre aussi de déracinement, puisqu'il est originaire de Pologne, et sa Pologne natale lui manque, donc il est à Majorque, il déteste cette île. Il préfère largement la France, où il va se recueillir à Marseille, et qu'il considère un peu comme sa deuxième patrie. Donc j'ai trouvé la lecture plaisante, un peu courte, ça fait qu'une centaine de pages, mais j'ai appris quand même 2-3 choses sur Chopin, donc j'ai trouvé ça plutôt agréable.
Et par le pouvoir d'un mot de Xavier Donzelli, c'est mon gros coup de cœur. Donc si vous n'avez qu'un seul livre à lire parmi ceux que je vous présente dans cette vidéo, c'est celui-ci. Il est vraiment exceptionnel. Il est à lire absolument. Tout est bon dans ce livre. L'histoire qui est passionnante, c'est vraiment très riche. On apprend beaucoup de choses sur le contexte historique. On apprend beaucoup de choses également sur le poète Paul Éluard, parce que c'est de lui dont il est question, donc sur sa vie personnelle, sur son œuvre et l'impact et le rôle que son œuvre a joué pendant la guerre, et surtout la plume de l'auteur qui est vraiment délicieuse, donc c'est un livre excellent. Et bien sûr, il va falloir que je vous parle un petit peu du cœur du livre, du sujet. Il s'agit de l'histoire du poème Liberté que vous avez peut-être appris à l'école, et qui au départ était adressé à Nouche, la femme de sa vie, mais aussi sa muse, et qui va finir par devenir un symbole de résistance. Donc on est en 1942, la France est occupée et la censure est plus que présente sur le territoire. Et malgré tout, ce poème va circuler et même mieux, il va redonner espoir au peuple français. Donc on va découvrir les circonstances de sa création et toute l'organisation qui va se mettre en œuvre autour de ce texte pour le faire découvrir au plus grand nombre et le propager à travers toute la France. Donc il a d'abord été publié clandestinement. Ensuite, le poème va être diffusé dans une revue par la Résistance. Et enfin, il va être largué dans les airs par les pilotes de la Royal Air Force pour que tous les Français puissent en profiter. Donc c'est vraiment un destin incroyable qu'a ce poème. Et donc c'est ce qui est raconté dans ce livre et ça devient en quelque sorte le personnage principal du bouquin. C'est le premier roman de l'auteur et on sent qu'il a dû faire des recherches très poussées sur le sujet parce que c'est très bien documenté. Donc vraiment un livre pépite, un petit bijou que je vous recommande vraiment très chaudement, à lire de toute urgence. Léonore de Recondo est violoniste, mais elle écrit aussi des livres sur la musique et l'art en général. Alors j'ai lu La Leçon de Ténèbres, dans lequel elle est la narratrice et le personnage principal.
Elle a un rendez-vous un peu particulier dans ce bouquin puisqu'elle attend Domenikos Theotokopoulos, dit El Greco, dans un musée pour une nuit d'amour. Donc lui est né en 1541 et donc plusieurs siècles les séparent, mais elle y croit, il viendra ce soir. Elle est tombée amoureuse de lui lors d'une visite au musée de Tolède et elle a été transportée à la vue de ses tableaux. Et depuis, elle n'a qu'une idée en tête, le rencontrer. Alors l'entreprise s'avère plus compliquée que prévu puisque y a des caméras dans le musée, des surveillants qui font leur ronde et donc ça paraît un peu improbable et un peu compromis. Alors j'ai trouvé l'idée de départ originale, mais au fil des pages j'ai été moyennement emballée. Ça m'a pas plu plus que ça. J'ai trouvé l'histoire un petit peu légère et pas très profonde. Donc voilà, c'était mitigé comme lecture. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I. D'habitude, je termine mes vidéos par un coup de cœur et là, ce sera plutôt deux déceptions, deux abandons. Alors le premier, c'est moi, Milanolo, fils de Stradivarius, de Jean Diwo. Alors j'avais peut-être un peu trop d'attentes pour ce livre parce qu'au vu du résumé, il avait vraiment tout pour me plaire. Un violon personnifié qui va passer de main en main, qui est d'abord la propriété de Jean-Sébastien Bach et qui va finir par être volé et on va même commettre un crime pour avoir la main dessus. Donc voilà. Le roman se passe en Europe au XVIIIe siècle et on va voyager avec l'instrument de musique dans les plus belles cours d'Europe. Donc j'aurais pu adorer ce livre, mais il m'a manqué un petit quelque chose. Je me suis arrêtée à la page 102. Donc c'est peut-être pas un abandon définitif, mais à première vue j'avais l'impression que l'auteur se reposait un peu trop sur le côté personnifié de l'objet et que l'histoire était un peu creuse. Donc je verrai si je le reprends un peu plus tard. Dites-moi si vous le connaissez et si éventuellement il faudrait que je reprenne cette lecture. Et le deuxième bouquin, la deuxième déception, c'est pour L'Obsession Vinci de Sophie Chauveau. Alors je m'attendais à lire une biographie romancée de Léonard de Vinci, mais dans ce bouquin on est plus centré sur l'homosexualité de l'artiste. Et je dirais même que c'est uniquement ce sujet qui est abordé. Enfin pour l'instant j'ai lu 80 pages, mais ça ne parle absolument pas d'art, mais plutôt de sa sexualité. Donc je pense que c'est intéressant de savoir voilà, de quel bord était Léonard de Vinci. Mais de là à lire 400 pages là-dessus, j'ai trouvé ça voilà, pas très intéressant. Et voilà. Donc si quelqu'un l'a lu, dites-moi si tout le bouquin est sur ce sujet. Auquel cas, si c'est un peu plus centré sur l'art par la suite, je reprendrai éventuellement la lecture. Mais jusqu'ici, ça m'a pas vraiment plu. Et j'ai trouvé même parfois que le livre était un peu vulgaire, donc voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tous ces livres, s'il y en a qui vous intéressent ou que vous avez lus. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je vous laisse avec quelques images du musée d'Orsay. Et pour ma part, je vous dis à très vite.